On est là pour se vacciner et c'est une initiative qui est faite par l'ambassade du Maroc à Bamako. Et c'est l'occasion pour remercier M. l'ambassadeur, M. Nasseri, mais également à l'endroit du roi Mohamed VI qui n'a pas hésité les derniers jours à envoyer des messages pour faciliter et des orientations pour faciliter le retour des Marocains résidant à l'étranger dans leur pays. Je me fais vacciner tout d'abord pour me protéger contre Covid, mais également pour mes besoins des déplacements, que ce soit régionaux, que ce soit internationaux, que ce soit pour rentrer au Maroc. Et maintenant, le passeport sanitaire, ça devient une nécessité pour se déplacer. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement l'ambassade du Maroc pour cette très bonne initiative. C'était vraiment quelque chose de valeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé la question au départ, est-ce que on va faire ce vaccin ou non, donc quand est-ce que ça a répondu à beaucoup de questions de beaucoup de gens, franchement. Et merci beaucoup pour cette très très bonne opération pour les citoyens marocains. Vous savez que nous sommes des étrangers, donc résidents ici. Et quand vous retournez au Maroc, vous avez une limite de congé. Donc voilà, si je dois perdre par exemple 10 jours dans l'hôtel, ça sera inutile. Il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent annuler leur congé que de partir se confiner à l'hôtel durant 10 jours. C'est pas du tout agréable pour moi personnellement et pour beaucoup de gens. La première chose, c'est pour la santé, pour la meilleure santé, pour vacciner. La deuxième chose, c'est pour rentrer au Maroc facilement et pour revoir la famille, tu sais ça. Bien sûr, merci beaucoup pour cette opération maintenant. C'est très bien. Voilà, c'est bien, tout ça a passé bien. Merci pour l'ambassade. Merci pour tout le monde ici qui le gère. C'est ça, même le vaccin, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Je veux remercier l'ambassadeur du Maroc et tout le staff ici pour l'effort en général. Donc, je suis très content pour cette vaccination parce que je vais, Inch'Allah, la fête de Tabaski, je vais rentrer au Maroc pour faire profiter avec mes parents. Je n'ai pas la maladie, la COVID-19. Non, je fais mon...